Il date des années 40. Le Castelet dormait dans un grenier de la famille. Georges Condé, dit Géo Condé, a fabriqué les marionnettes pendant sa convalescence dans un hôpital militaire. Elles revivent cet été dans les anciennes papeteries de Docelles, la mémoire de ce touche-à-tout, marionnettiste, peintre, céramiste, né en 1891, avait été un peu oublié. Je te rappelle l'émotion qu'on a eue quand on les a sortis de leur boîte. C'était beau, hein, c'était comme s'il y avait une nouvelle naissance. Le patron de cette usine ici, monsieur Lécole, connaissait Géo Condé. Et il y a eu, en 1946, il y a eu une belle fresque qui raconte toute l'histoire du papier qui a été faite dans les bureaux. Quand Bernard Wism nous a proposé de nous intéresser à l'histoire de Géo Condé, il semblait qu'il y avait quelque chose dans le temps qui était en train de se renouer. La papeterie, fondée en 1590, est en train d'être reconvertie en lieu de vie et de culture. L'expo, montée par un collectionneur passionné, se partage entre l'usine et la bibliothèque. Dans les années 20 et 30, Géo Condé crée des céramiques pour les manufactures de Lunéville, Saint-Clément et Badonvillers. Par un hasard vraiment étrange, je visitais les vide-greniers, en particulier dans le Gard. Et un jour, j'ai trouvé un poisson, comme là-bas, bleu, sur un tapis. Et il m'a frappé, c'était un bel objet. Et depuis, de fil en aiguille, ben, je me suis passionné et j'ai conservé tous les objets que je pouvais trouver. C'était la première fois qu'on pouvait faire entrer d'une manière importante, industrielle, l'art dans les familles. Parce qu'en fait, c'est les premiers multiples qui ont existé. Depuis maintenant, les objets sont reproduits à des milliers de cents. Ce qu'il aimait, c'était transformer la matière, transformer les choses. Comme à table, il transformait les petits bouts de pain en petites sculptures. Il ne peignait jamais, d'ailleurs, sur le même support. Enfin, il aimait l'aquarelle, l'huile. Donc toujours transformer les choses, transformer le réel en fait, c'est-à-dire en un autre réel plus artistique. La carrière de marionnettiste de Géo Condé a failli s'arrêter net quand à 14 ans, il met le feu au grenier familial avec les chandelles de son premier spectacle. C'est un prêtre nancéen qui le convaincra plus tard de monter un théâtre. Il formera même le fondateur du célèbre festival de marionnettes de Charleville-Mézières. Marc Hirtoum va rejouer à Docelles son Saint-Nicolas. Qu'est-ce que ça fait de les avoir en main ? Pas mal d'émotions parce que je me dis que bon, elles ont pratiquement 80 ans. Donc voilà. Et puis de savoir que c'est une marionnette qui a tant joué, qui a été manipulée par Géo Condé. La particularité donc, c'est que c'est une marionnette qu'il a rebrodée en fil de laine. Et comme c'est aussi un peintre, céramiste, peintre, marionnettiste, il a travaillé sur les couleurs pour faire des ombres. Les expos sont ouvertes chaque fin de semaine. La légende de Saint-Nicolas de Géo Condé renaît les 24 et 25 août. Et le week-end suivant, les papeteries accueillent un spectacle dansé itinérant.